Amis des ondes, amis de la voix de l'évangile, auditeurs, que la paix et la grâce de Dieu vous soient données. Nous remercions le Seigneur pour sa grâce et ses bienfaits et pour nous donner sa clémence ainsi que son amnistie. Et aujourd'hui nous sommes là pour prononcer les oracles de Dieu, ou même qu'il a caillou, qu'il a confinement, ou dans confinement, mais Jésus-Christ là. Nous, sans plus tarder, nous prallons pour vous. Sans plus tarder, nous prallons pour vous. Parole bon Dieu, dans Apocalypse, chapitre 8. Nous prallons parole bon Dieu pour vous, dans le livre de l'Apocalypse, le chapitre 8. Je lis pour vous. Quand il ouvrit le septième sceau, il y eut dans le ciel un silence d'environ une demi-heure. Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent données. Et un autre ange vint et il se tint sur l'autel, ayant un encensoir d'or. On lui donna beaucoup de parfums, afin qu'il les offre avec les prières de tous les saints sur l'autel d'or qui est devant le trône. La fumée des parfums monta avec les prières des saints de la main de l'ange devant Dieu. Et l'ange prit l'encensoir, le remplit de feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il eut des voix, des coups de tonnerre, des éclairs et un tremblement de terre. Et les sept anges qui avaient les sept trompettes se préparèrent à en sonner. Le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés sur la terre. Le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé et toute herbe verte fut brûlée. Le second ange sonna de la trompette, et quelque chose comme une grande montagne, embrasée par le feu, fut jetée dans la mer. Le tiers de la mer devint du sang. Le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut détruit. Le troisième ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau. Elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. Le nom de cette étoile est Absinthe. Le tiers des eaux fut changé en Absinthe. Et beaucoup d'hommes moururent par les eaux, parce qu'elles étaient devenues amères. Le quatrième ange sonna de la trompette, et le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci. Le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Je regardai et j'entendis un aigle qui volait au milieu du ciel, disant d'une voix forte, « Malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre à cause des autres sons de trompettes que les trois anges vont faire retentir. » Le résultat final face au royaume, approuvé ou reprouvé. Le résultat final face au royaume. Le résultat final face au royaume, approuvé ou reprouvé. Le sujet tiré de ce grand thème, c'est vous avez le choix. C'est l'enlèvement de l'Église ou la grande tribulation. Soit ou enlevé ou aller dans le ciel, dans le royaume de Dieu, soit ou être sous terre, ou participer dans la grande tribulation, ensuite vous serez jeté en enfer. Faites le bon choix. Mais bien aimé dans le Seigneur, tel ça que nous vivons là, il traversé par une équipe problème, une équipe tourment. Et nous sommes capables de dire même une équipe bouleversement, qui représentait une sorte de pré-grande tribulation. Fort souvent, problème qu'on compte tellement en pile, nous demander est-ce que Dieu, bon Dieu, sous nous? Effectivement, Dieu, bon Dieu, sous nous. Dans Ésaïe 61, verset 1, la Bible dit, l'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Mais bien-aimés dans le Seigneur, chers chrétiens qui vivent dans le monde là, le monde là traversé par une série d'épidémies, une première en date, nous cap cité la peste noire. La peste noire est passée dans le monde dans l'année 1347 et 1352. La peste noire litouillait environ 50 millions de monde en Europe. Nous avons eu la grippe espagnole. La grippe espagnole litouillait environ 30 millions de personnes. Il y avait la peste justinienne,
Pèsa a détruit environ 25 millions de monde. Nous avons eu le sida dans les années 1981. Le 5 juin 1981 commence officiellement l'épidémie sida. Sida a tué environ 25 millions de monde à travers la planète Terre là. Nous avons eu la peste Antonine. Lui-même, il était passé dans l'année 165 avant Jésus-Christ. Il a tué environ 5 millions de personnes. Il y avait la grippe asiatique 1956-1958. Il a tué 2 millions de personnes. Il y avait la grippe asiatique encore. Il a tué environ, nous sommes capables de dire, des milliers de personnes. Il y avait la variole des Amérindiens. Il y avait la troisième pandémie de choléra en 1860. Il y avait la peste bubonique qui touillait environ 100 000 personnes. Il y avait le typhus à Athènes qui touillait environ 80 000 personnes. La vie nous apporte parfois des blessures, des écorchures, des afflictions et même des chagrins. Nous-mêmes qui sommes chrétiens qui vivons sous terre, c'est comme si nous avions nous pas seulement besoin d'un moment, une simple consolation. Non, nous besoin d'une consolation éternelle. Nous besoin que bon Dieu exécute plan là pour nous. Eh bien, plan ça, il pas prendre temps pour l'exister. Non seulement le monde est traversé par des épidémies, mais le monde tout est traversé par ça y aurait les des famines. Ésaïe 1 verset 19, la Bible dit si vous avez de la bonne intention, si vous avez de la bonne volonté et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleures productions du pays. Vous allez consommer, vous allez manger les meilleures productions du pays. Alors ce que nous connaissons que famine, qui c'est un sous-état de alimentation, famine traversait plusieurs pays, parmi lesquels nous joignons en Irlande, tu as une famine en 1851 qui touillait 1 million de personnes. Tu as une famine en Russie en 1892. Qui touillait 2 millions de personnes. T'es gagné la famine au Kenya qui touillait environ de 1899 et bien qui mangeait 90% de la population au Kenya. T'es gagné notre famine en Russie en 1921 qui touillait 1,5 million de personnes. T'es gagné famine lors du siège de Leningrad par les nazis lors de la Deuxième Guerre mondiale qui t'a fait environ 1 million de morts. T'es gagné famine en Somalie, famine au Bengale, famine dans les colonies de Portugal. Ça veut dire monde là, il presque rejeté monde qui vivent la donne. Gagne une série de nous t'es capable dit grand seigneur, les grands chefs, les grands seigneurs qui gouvernent ce monde, ils ont voulu prendre décision pour faire ça relé, une globalisation. Ou bien une mondialisation, ou sinon ça aurait été le nouvel ordre mondial. Côté t'as gagné un seul monnaie, côté t'as gagné un seul président. Et qui en pile, nous t'es capable de dire en pile journaliste, en pile écrivain qui écrit, qui parlait, qui dit que dans le nouvel ordre mondial là, on partit dans la population à mourir, papi les papaquettes, et ses conseils à Kavini à processus là. Si nous regardons sous le monde, Jean le Monde, eh bien, processus pour qu'il y ait un seul président dans le monde, il est déjà établi sur le plan religieux, sur le plan politique, il établit tout. Mais on connaît grand bagaille. Tant que l'Église de Jésus-Christ sous terre, ça va qu'à fait. Parce que l'Église de Jésus-Christ, c'est la lumière du monde. Le mal ne peut pas régner tant qu'il y a cette lumière. Dans Matthieu chapitre 5, la Bible dit, vous êtes la lumière du monde. Il dit que, l'on l'emplumé, l'emplacé sous table alliée. Eh bien, l'église l'humain, l'église a éclairé, l'église a illuminé. Et plus que nous comprenons, dans le monde là, non seulement, eh bien, il y a aurait des épidémies, et surtout, qu'on y a, nous avons COVID-19 qui a mangé le monde, il y a les famines, il y a des épidémies, il y a des famines, il y a des tremblements de terre, et sans compter, il y a la guerre des gangs. Dans le pays d'Haïti, nous subissons kidnapping, nous subissons pays lock, mon ap sorti, et parfois, petit monde qui sorti, mon en peur, volait tout de côté. Ça veut dire, mon en menacé, mais chrétien qui l'a donné, yo, y a vivant paix, parce que bon Dieu a un projet de paix pour nous. Et bien, je suis capable de dire, ou même qui c'est l'église,
Ou pas besoin de peur, ou pas besoin de crainte, même si le monde bouleversé. Résultat final là, eh bien, là toujours en faveur. Qui résultat final, yon chrétien, qui résultat final, chrétien lui-même, moun qui c'est chrétien, moun qui croit dans Christ là bien. La Bible dit dans Genèse 5, verset 22-24, première évocation qui évoquait résultat final chrétien. Dans Genèse 5, verset 22-25, la Bible dit Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Le nom d'Enoch signifie celui que Dieu a ravi, celui que Dieu a arraché, celui que Dieu a transporté. Ça veut dire Enoch t'a marché avec mon Dieu. Et puisque le monde n'a pas de bon pour Enoch, mon Dieu fourre même libre à Enoch. Enoch, c'est un premier témoin. C'est un premier témoin Ancien Testament qui parlait, qui dit avec ça qui arrivait, avec fait qui manquait Enoch là, avec son enlèvement, et bien qui parlait, qui dit l'église pas près sous terre. Deuxième témoin, nous joignons monsieur dans 2 Rois 2, versets 1 à 12. La Bible dit, comme ils continuaient à marcher en parlant, voici un char de feu et des chevaux de feu les séparaient l'un de l'autre et Élie monta au ciel dans un tourbillon. Et Élisée ne le vit plus. Deuxième témoin, l'irélé Élie. Élie t'a marché avec Élisée et pendant qu'il a marché, c'est comme ça, un tourbillon, un char de guerre descend et puis il prend Élie la lavelle. Mais bien aimé, le chiffre 2, c'est le chiffre qui certifie. C'est un chiffre du témoignage. Eh bien, deux témoins saillants, ils ont assisté, ils ont confirmé que l'Église n'est pas prête sous terre. Nous sommes capables de comprendre la troisième évocation que nous avons citée pour vous. Nous joignons dans Jean chapitre 14, versets 1 à 3. Qui ça lui dit? Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Frère Maxime, dans le Seigneur qui a souffert, nous pas besoin qui était nous. Jésus-Christ fait nous une promesse solennelle. Il y a un président, il y a un ministre, il y a un sénateur qui a fait une promesse, qui a fait une promesse, il n'est pas accompli. Mais ça, Jésus-Christ dit à bouche, li, mais il n'a pas accompli. Il dit, il a tourné la ville chercher où effectivement que l'a tourné. Oui, l'a tourné. Jésus-Christ n'est pas capable de tourner venir chercher nous. Parce que nous sommes son église. Parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Parce que nous sommes les chandeliers d'or. Parce que nous sommes les intendants du royaume de Dieu. Parce que nous sommes le troupeau de Dieu. Il va revenir et l'a mené nous dans le royaume. Non. Et nous sommes capables de comprendre. Quatrième évocation que nous avons cité, qui parlait, eh bien, qui dit que l'église vient pour l'enlever. Nous joignons dans Colossiens 1er, verset 27. Il dit, Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. L'enlèvement de l'Église, c'est un mystère, c'est un secret, c'est un fait insondable pour le monde. Mais l'enlèvement de l'Église n'est pas un mystère pour les chrétiens. Parce que la Bible qui est la révélation écrite de Dieu, nous avons des révélations écrites telles que la Bible. Nous avons des révélations subjectives, telles que les révélations que les chrétiens ont à recevoir, qui font nous connaître, nous pas près de terre. Et nous croyons comme ça. La Bible dit Christ en vous, l'espérance de la gloire. Nous croyons que nous n'avons pas enlevé, nous pas près de terre. Parce qu'en Jésus-Christ, les chrétiens sont des avantageux. Nous sommes des illustres, nous sommes des magnifiques. Nous ne pouvons pas rester sur cette terre. Nous allons être enlevés pour aller dans le royaume de Dieu. C'est la plus grande espérance qu'un chrétien a gagné, le fait que chrétien a enlevé pour la loi Jésus. C'est la plus grande espérance, nous. Et c'est ça qui fait peu importe ça qui arrive dans le mauvais moment ou bon temps, dans fait l'évangile. La Bible dit dans 1 Corinthiens 15, verset 51-54, cinquième évocation que nous avons citée. La Bible dit, voici, je vous dis un mystère. Vous ne mourrez pas tous, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous nous serons changés. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alors s'accomplira la parole qui est écrite, la mort a été engloutie dans la victoire. Nous autres chrétiens, en Jésus-Christ, nous avons un corps incorruptible.
Nous avons un corps luisant, nous aurons un corps métamorphosé. Et c'est plus grande espérance, nous. À Paul qui a parlé à chrétien Thessalonique, pour sixième évocation, dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, versets 16 à 18, il dit parole ça. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Mais bien-aimés, ou même qui sont chrétiens, vous avez reçu la grâce de Dieu. Vous avez reçu l'agrément, l'amabilité. Vous avez reçu le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes capables de dire oui, n'a pas levé. Et comment ça fait? La Bible bien dit oui à un signal donné à la voix d'un archange. Devant le trône de Dieu, il y a ce qu'on appelle les sept archanges, les neuf archanges recteurs. L'archange Gabriel qui commande les anges. L'archange Raphaël qui commande les archanges. L'archange Amiel qui commande les principautés. L'archange Michael qui commande les vertus célestes. Kamaël qui commande les puissances célestes. Sadkiel qui commande les dominations. Saphiel qui commande les trônes célestes. Raziel qui commande les chérubins. Et Métatron qui commande les séraphins. La Bible dit à un signal donné à la voix d'un archange. La mort en Christ, c'est retenrete, n'attendé, un signal bail. À la voix d'un archange, yon nan archange sa yo, a parlé. Et même moment, la Bible dit les morts en Christ. Non seulement les morts en Christ, mais aussi les saints de l'Ancien Testament a ressuscité en même temps que l'Église de Jésus-Christ. Ça veut dire Adam, Ève, Noé, Cam, Japhé, Sem, Métuchéla, Abraham, Isaac, Jacob, les 12 tribus, David, Salomon, Josias, Ézéchias, Josaphat. Ils ont tout à ressuscité. Esaïe, Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée, Jonas. Ils ont tout à ressuscité. Pasteur Élisée, Joseph, Frère Laure et tout l'autre chrétien qui nous perdu de par le monde. Ils ont même qui dans le tombeau, ils ont pété le tombeau. Qui tout en ont tombé, ou t'es dans le caveau, ou t'es dans le mausolée, ou t'es mouru c'est dans la mer, ou t'es mouru c'est dans le désert, ou après ressuscité, ou t'es mouru avec dents piquées, ou après ressuscité avec dents blancs, ou t'es mouru avec un bout de main, ou après ressuscité avec deux mains, ou t'es mouru, ou t'es mouru, ou t'es un cancer, ou t'es un sida, ou t'es un diabète, ou t'es une tension, ou après ressuscité avec un corps métamorphosé, un corps luisant, un corps qui pas peur en mort, qui pas peur maladie. Et ça, c'est espérance chrétienne. Et c'est plus grande espérance, nous. Les mondes qui font mourir en Christ, ressuscité et aller. Et puis la Bible dit, et nous, les vivants qui serons restés. Ça veut dire, l'enlèvement fait, après qu'il y ait partie monde qui mourit. Et reste le monde qui a prêté, qui vivant, qui croit en Christ. Jésus-Christ a pas passé le prêt. Et si maintenant, chita là, enlèvement fait, est-ce qu'on peut aller? Comment la vie hier avec Jésus-Christ? Ce n'est pas le confinement qui est important. Moi, je vous l'ai déjà. Ce n'est pas le bâtiment qui est l'église là. C'est vous-même qui est l'église là. Corps, c'est par vie. Nom, c'est lui saint. Et l'esprit, c'est lui très saint. C'est vous-même qui caille mon Dieu. Et je dis, quittez mon Dieu dans ses noms. Enlèvement fait, Jésus-Christ a venu chercher les chrétiens. La trompette là sonné. C'est chrétien qui a tendu son trompette là. Y a tant d'elle, moun ki mouri en Christ yo, dame missionnaire yo, pasteur yo, évangéliste yo, apôtre yo, docteur yo, c'est yo, prophète bon Dieu yo, serviteur yo, archer yo, musicien yo, peu importe si tout, de pour ces chrétiens, y a tant d'elle, et c'est plus grande espérance nous, gloire à Dieu. Et si Alain pralé, nous pralé dans le royaume de Dieu, nous pralé. La Bible dit dans Jean 5, verset 25, en vérité, je vous le dis, l'heure vient où elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. La Bible dit, ceux qui auront fait le bien ressusciteront pour la vie éternelle. Mais ceux qui auront fait le mal ressusciteront pour le jugement. Jean 5, verset 25 à 29. Mais ceux qui auront fait le mal. Ça veut dire, il y a deux résurrections. Dans Daniel 12, verset 2, la Bible dit plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle. Ça, c'est l'enlèvement de l'église. Les autres pour l'opprobre éternelle. Ça, c'est pour nous qui a prêté, eh bien, pour la grande tribulation. Ça, c'est pour nous qui a prêté, qui pourra aller dans l'enfer.
Ça veut dire quand on obtient des là ou qu'on en confinement sous place à un monde, eh bien, si trompette la sonne kounye, ou met tout qu'on arrêté pour la grande tribulation. Et l'on fin subit la grande tribulation, ou pral dans l'enfer. M'pas besoin connait j'aime te dire hier là. Yo dou lave main ou, moi non seulement m'dou lave main ou, mais lave cœur. Mande bon Dieu pardon pour péché ou, confessez vos fautes. L'enlèvement de l'église fin fait, c'est va un bagage tête chargée. Dans Isaïe 61 verset 10, l'église qui pral rencontrer le Christ a parlé. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme la fiancée sort de diadème, comme la fiancée se part de ses joyaux. Dans 1 Jean 3 verset 1, la Bible dit: voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu, et nous le sommes. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. L'église a enlevé, l'église va le faire 7 ans avec Jésus dans le ciel là. Durant ces 7 ans, ce sera les noces de l'agneau. L'église va le recevoir différentes récompenses. C'est plus quoi espérance chrétienne. Mais là, l'église fut enlevée, qui s'en cap bien? L'église vient enlever pour aller en zin sous terre. Oh! Zin ça relé la grande tribulation. Nous souhaitons pas aller là pour moun qui pas enlevé yo, moun qui pas placé, qui pas hypocrite, qui pas volant. Moun qui a fait effort dans l'évangile yo. Moun qui a confessé péché yo, qui a jeûné, qui a prié, qui a consacré yo. Mais pour même qui a marché un pied en dedans, un pied dehors, ou même qui idolâtre adultère, ou même franc-maçon, ou même vaudouisant, ou même qui a adoré l'autre Dieu qui parle l'Éternel des armées, tant de sorts qui réservés pour vous. Là, l'église vient enlever, c'est va la globalisation, la mondialisation. L'Antichrist pral régner selon Apocalypse chapitre 13. L'Antichrist pral faire chaque monde poter sa orelé la marque de la bête. Que moun nan pral poter dans fontaine ni ou bien dans main droite. Et d'après une étude que nous faisons, une recherche, journaliste dit qu'il y a possibilité tout pour mon emporter dans triceps. Concepteur puce électronique ça, il porte le nom Jack Kilby. C'est un Américain lié et c'est lui-même qui concepteur puce électronique ça qui aurait la marque de la bête. La marque de la bête, mais bien aimé dans le Seigneur, une première définition que nous kabaou, eh bien la marque de la bête, c'est un fait prophétique que la Bible prophétisait que chaque serviteur antichrist pral gen sur yo. Deuxièmement, la marque de la bête, ce sera un démon qui vivra dans la personne de façon permanente. Parce que le monde qui a bien la marque de la bête là, il n'a pas bien opportunité pour lui capable de repentir. Premièrement, l'église fut enlevée, pral gen la globalisation, bien la mondialisation, ce sera le règne de l'antichrist. Et comment ce sera ce règne? L'antichrist a régné et déjà, nous voyons une particularité, eh bien, la grande tribulation. D'ailleurs, mot tribulation, il signifie subir des difficultés désagréables. Subir des difficultés désagréables. Subir des contrariétés. Subir des embarras. Subir des tracas. Moun ka prêté dans la grande tribulation, selon Apocalypse 6, verset 2, la Bible dit: je regardais, voici paru un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc, une couronne lui fut donnée et il partit en vainqueur pour vaincre. Déjà sur le plan religieux dans le monde, si nous regardons bien, n'a pas sur le plan religieux avec religions telles que le bouddhisme, l'agnostique, l'hindouisme, l'hindouisme, les lois de Manu, l'islam, le zoroastrisme, le taoïsme, le confucianisme, les témoins de Jéhovah, le mormonisme, les raéliens, la franc-maçonnerie, le vaudou, le rastafarisme, toute doctrine ça, c'est doctrine satanique, c'est doctrine antichrist. Dans Jude 1er verset 11, la Bible dit: malheur à eux, car ils ont suivi la voie de Caïn. Ils se sont jetés pour un salaire dans l'égarement de Balaam. Dans 1 Jean 4 verset 1, la Bible dit: bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Et effectivement, il y a un homme qui aurait les entendus en dehors là, ils font dans l'église, ils relaient l'église à l'église de Satan. Nous avons
Les témoins de Jéhovah avec Charles Taze Russell. Nous avons le Mormonisme avec Joseph Smith. Toute l'église, c'est l'église satanique. C'est l'église diabolique. Il n'y a pas gagné pour avec bon Dieu. Et sans compter, dans l'église protestante, où je n'y ai encore qu'à l'église armée céleste. Ils ont semblé avec nous, mais ils pas nous. Eh bien, nous sommes capables de dire, l'église fut enlevée, ce sera le règne de l'antichrist. L'antichrist qui est un menteur. L'antichrist qui nie le Christ. L'antichrist qui nie le Fils. L'antichrist qui nie que Jésus-Christ est le Seigneur des Seigneurs. Le règne de l'antichrist sera, eh bien, particularisé par des guerres. Le règne de l'antichrist, dans le règne de l'antichrist, qui s'en a besoin, on a besoin de la famine. Déjà, le président russe, Vladimir Poutine, sorti avec un missile qui relève Satan 2, le missile nucléaire Satan 2, est capable de détruire un pays de la taille de la France. Technologie a dit que c'est le plus puissant des missiles au monde. Aucune technologie des antimissiles ne saurait l'arrêter. Il peut tromper les systèmes radar. Mais qu'on bagarre moins, ouais. Vladimir Poutine fait un missile là, Satan 2. T'as dit Sandra et Louis, Satan 2. Ça veut dire qu'ils entrent en rébellion avec mon Dieu. Même pas qu'on ne pourrait ça, ils ne pas prendre Satan 2 pour écraser COVID-19. C'est pour tirer sous COVID-19. Ils ne sont pas capables parce que c'est l'Éternel qui est Dieu. Ça veut dire que quelque soit jamais on est fait depuis main, bon Dieu, sous arrêtez et sachez que je suis Dieu. C'est la main de l'Éternel qui agit. Ils n'ont pas qu'à agir parce que l'Église là. Et peu importe, Jean a fait tout complot, tout ça qu'a fait en bachal, dans mon invisible, avec Luciférien, yo, dans ça, dans Illuminatis, yo, tout ça, monsieur a fait, yo, pape, qu'a réussi, parce que Gontité sous terre a créé l'église. Épouse de Jésus-Christ présent, le corps mystique de Jésus-Christ présent, les chandeliers d'or présents, yo, pas qu'à agir, nous là, l'évangile a continué à prêcher. Arrêtez la globalisation, arrêtez la mondialisation, arrêtez cette COVID-19, car c'est l'Éternel qui est Dieu. Il n'y a pas rien au café là. Plan pas marché, nous échouons déjà. Parce que depuis mon Dieu, pas non plan, plan déjà échoué. Mais côté chrétien, au caché dans l'isolement, il a prié, il a déjà réussi. Parce que le monde qui est dans mon Dieu, pas qu'on échoué. L'église finit enlevée. On dirait l'antichrist l'a particularisé par des guerres, l'a particularisé par la famine, l'a particularisé par des épidémies. Soit là, pourquoi en y est. Pour ne pas être sous terre, on a le bon programme pour. Parce que y a qui l'église, qui a madame, qui a fils sous côté. Il y a tous les lesbiennes, il y a deux, c'est homosexuel. Il y a tous les idolâtres, c'est grand débauché, c'est ivrogne. On a le bon programme, pas un bel programme. Pour nous qu'après être sous terre, eh bien, mes bien-aimés dans le Seigneur, l'Éternel a pris les sept anges, selon le livre de l'Apocalypse, chapitre 8, le verset 7. Les sept anges ont fini, après un silence complet qui fait devant le trône de Dieu. Séraphin a couvert fâché, bon Dieu fâché. L'église qui est enlevée, l'église enlevée, messieurs, globalisation, mondialisation, nous mettons. Nous mettons, depuis l'église fin enlevée, nous mettons, nous avons un petit coup de reille. Nous avons un petit coup de reille. Ça dure environ 7 ans. Dans l'Apocalypse 8, verset 7, la Bible dit, le premier sonna de la trompette et de la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Le tiers des arbres fut brûlé. L'église fin enlevée, l'Éternel a pris les sept anges. L'elfine brise les sept soa. Et c'est comme ça après les sept anges. La première à chaque ange a eu une trompette. Et la Bible dit dans Apocalypse 8, verset 7, premier ange là, l'a sonné trompette, pas là. La Bible dit, l'elle sonne trompette, pas là. La Bible dit, la grêle et du feu mêlé de sang furent jetés sur la terre. Qu'est-ce que cela signifie? La première ange là, sonne trompette, pas là. Parce que ça aurait l'air une éruption volcanique à travers le monde. Mais bien aimé dans le Seigneur, une éruption volcanique à travers le monde. Nous sommes capables de comprendre qu'il y a plusieurs types de volcans. Il y a un volcan explosif, il y a un volcan hawaïen, il y a un volcan péléen. Volcan explosif, là, il exploser, il projeter des gaz brûlants. Depuis l'exploser, côté l'exploser, il n'y a pas de la vie. Tout le monde a mouru. Dans le monde entier,
Il y a différents types de volcans qui sont placés à travers le monde, parmi lesquels nous joignons le Piton de la Fournaise en France. Nous joignons le Kilauea aux États-Unis. C'est le volcan le plus actif dans le monde depuis 1983. L'Etna en Italie, le Sarakujima au Japon, la Santa Maria au Guatemala, le Taal aux Philippines, le Vésuve en Italie, le Galeras, le Mont Nyiragongo de la République du Congo, le Mauna Loa, il mesure environ 4170 mètres d'altitude, le Stromboli en Italie, l'Alurum, le Mont Merapi en Indonésie. Mes bien-aimés, les volcans sont entrés en éruption, moun pral mouri, du feu, lave, et volcans explosifs là, avant l'exploser, les gon gaz li dégagé. Des milliers de moun, des millions même de moun qui dans zone côté lier, la touye tout. Ça veut dire li fin projeter gaz là, avant le projeter du feu, avant le projeter lave, gaz là qui t'en commencé touye moun. Kounya moun a mouri par millions. Nous gen le Lingaye au Tanzanie, nous gen le Lepevik au Vanuatu, nous gen El Fuego au Guatemala. Nous avons le volcan Semaru en Indonésie. Nous avons Galalama en Indonésie. Banda Api, Indonésie. Le mont Erebus. Nous avons le Gadavor en Nouvelle-Guinée. Nous avons le Bagana en Nouvelle-Guinée. Nous avons le mont Sétienlen aux États-Unis. Nous avons le mont Baker encore aux États-Unis. Le volcan ça va entrer en éruption. Moun pral mouri. Du feu un peu partout. Et qu'il y a des côtés scientifiques qui ont battu un volcan. Et puis le volcan a explosé. Moun ap mouri en moué. Pap ki les États-Unis kap ka vin pote la France secou. La France va pas secourir Angleterre parce que c'est bon Dieu qui entre en jugement avec les peuples du monde parce que l'église enlevée. Et bien pendant premier jugement ça a fait c'est même côté là l'Éternel après le deuxième ange là. Dans Apocalypse 8 verset 8, la Bible dit le second ange sonna de la trompette, quelque chose comme une grande montagne embrasée par le feu fut jeté dans la mer, qui s'alliait. Le tiers de la mer devint du sang. Mais bien aimé, pendant mon ap mouri par pile, par paquette, Léo dit deuxième ange en sonné trompette, lia qui s'alliait. Mais bien aimé, gagne trois ciels. Premier ciel là, nous relais le ciel atmosphérique. Lorsque sorti de la caillou, ciel ou abgade, c'est le ciel atmosphérique. Deuxième ciel là, nous relais le ciel astral ou sidéral ou bidéral. La donne, gain ça aurait les planètes Pluton, Mars, Uranus, Neptune, gain des corps tels que météorites, astéroïdes et nous capable comprendre gon paquet météorites dans le monde là qu'a tant l'église fin enlever pour entrer sous terre pour exploser sous planète là. L'église fin enlever pral gain des météorites qu'a entrer et pendant m'a dit ça là actuellement la NASA fait découvrir un météorite qui relait Bennu. Bennu sont astéroïdes eh bien qui mesurait 492 mètres de diamètre. Yo dit Bennu a frotté là, c'est rete autour de la planète Terre. Qui ça fait ou pas entrer? Son planète qui est le Jupiter. Jupiter a un effet magnétisme, il déploie chaque camp un astéroïde ou bien un météorite ou sinon un nous sommes capables de dire, il y a l'autre corps céleste, tu as fait rentrer sur la planète Terre pour l'exploser avec elle. Eh bien, qui s'est passé? Eh bien, Jupiter a poussé elle parce que l'église sous terre. Mais là, l'église est enlevée, météorite Bennu, quel que soit météorite là, et mais là, pas entré. Actuellement là, planétologue fait comprendre une collision qui est possible en 2029. Ça, c'est la NASA. Ça veut dire, Apocalypse 8, verset 8, dit que normalement, il y a un bagage qui saute en l'air. Dans ce second ciel là, ciel astral là, cap entrer dans ciel astéroïde là pour fin touye moun. Eh bien, la NASA fait comprendre eh bien, gagne plusieurs astéroïdes cap régner, cap tourner tout autour de planète Terre là. Gagne des astéroïdes, gagne des météorites et gagne des corps célestes qui relaient comètes. Le 15 février 2013, la NASA bayon l'autre bagaille. Li dit environ gagne 10 000 tonnes de météorites qui en l'air cap rôder tout autour de planète Terre là. Ça veut dire parti des gars non ça va gagner sous terre c'est pour qu'on rien gagner chef général la NASA monsieur le Charles F Bolden il c'est administrateur la NASA monsieur dit comme ça planète terre gon seul bagaille pour le faire c'est prier pour qui ça parce que il dit que 73 astéroïdes potentiellement dangereux cap marcher tout autour de planète terre là qui s'est attendre. Il y a tonne pour l'église enlevée. Nous-mêmes qui sommes chrétiens, c'est comme ça nous quoi.
Parce que ça, voilà, il y a l'église pas qu'à prendre. C'est nèg qui a un gros portrait. Nèg qui a fait missile Satan 2. Nèg qui a fait missile Satan 18. Nèg qui a fait virus COVID-19. C'est eux qui ont contré avec astéroïde. Mais moi-même, avoir qui c'est l'église, nous n'avons pas un portrait. C'est Jésus qui a un portrait pour nous. Qui la cause? Pendant en bas terre, il y a du feu. Nèg a boulé en bas, du feu en l'air tout. Volcan en bas pied. Et puis, météorite en l'air. C'est comme ça, troisième angelan paraît avec sa yorele, mais bien aimé dans le Seigneur, il paraît avec trompette pas là. Le troisième angelan paraît avec trompette pas là. Il n'y a pas pour nous remarquer. Le troisième angelan paraît avec trompette pas là. La Bible dit qu'on silence qui fait. Dans Apocalypse 8, verset 10, la Bible dit le troisième ange sonna de la trompette. Une grande étoile nommée Absinthe fut jetée sur la terre et beaucoup d'hommes moururent. Qui ça yon absinthier? Par définition, c'est une plante aromatique des lieux incultes contenant une essence amère et toxique. Donc, absinthe là, son sort de poison lié. Eh bien, là, l'église fut enlevée. Troisième jugement qu'a gagné. Nous dit premier jugement, c'est volcan qui va exploser dans le monde entier. Deuxième jugement, c'est météorite qui vient exploser en l'air, qui tombe dans la mer, qui touille les gens, qui crase bateau, qui crase sous-marin. Ça veut dire, en bas, il y a un problème, en l'air, il y a un problème. Au cas où on est capable de prendre un avion, un hélicoptère, ou dire, ah, il y a un volcan en bas, bon, voler, et mais on va tout contrat commettre en l'air, ou pas, j'aime qu'on est, ou qu'on monte avec une balle de tennis ou une plaquette de tennis ou à shooter quelques météorites en l'air. Kounye, bon troisième jugement, capitaine grand général, yo, grand seigneur. Yo. La Bible dit dans Apocalypse 8, verset 10, le troisième ange sonna de la trompette, une grande étoile nommée Absinthe fut jetée sur la terre. Ça a piré d'attaut. Comète là son as du système solaire formé de noyaux. Comète là elle marche, elle pas jamais marcher sans cheveux. Ça veut dire là où on grain comète, qu'a gain 500 d'elle. Grain nous et maman, et puis gain 500 graines. C'est bon, grain non? Capable dit nous actuellement la NASA fait découvrir eh bien ça aurait une ceinture de comètes comme aurait une ceinture d'astéroïdes ça m'est bien aimé dans le Seigneur qui roulait tout autour de la planète Terre qui ça attendre il attend l'église fin enlever les comètes ça entrer comètes ça tomber dans la mer mais bien aimé dans le Seigneur attendez bien il y a plusieurs grands océans sous planète Terre là, parmi lesquels nous jeunes océan Pacifique, nous jeunes océan Atlantique, nous jeunes océan Indien, nous jeunes océan Austral et océan Arctique. Ça veut dire qu'il y a 6 grands océans. Mais pour question de mer là, nous jeunes environ 5 grandes mers, les mers les plus grandes. Nous avons la mer d'Arabie, la mer méridionale, la mer des Sargasses, la mer Méditerranée, la mer de Weddell. Ça veut dire laissez les astéroïdes, laissez les comètes là tomber. La bien absente la donne, la tombe dans la mer, et puis on ka wè, sous pour un bout de bloc ou la gèl non cuvette de l'eau, ou après de l'eau à voler, les comètes la tombe dans la mer, et bien gen 29% de terre et 71% de mer, les comètes la tombe dans la mer, et bien pral gon phénomène de tsunami dans le monde entier, moun ap mouri, et map dou yon bagay, du feu continue pour les moun. Du feu continue pour les moun. Du feu a continué saut en l'air sous forme d'astéroïdes. Du feu en bas pio sous forme de volcan. Kounye a, mes comètes, mes astéroïdes kap vini à tout poison kap tombe dans la mer. Mes amis, moun ap mouri par million, moun ap mouri par milliard. Et ça, poko rien. Lè ap mouri comme ça, y après l'amoué, y après l'amoué, y ap maudit bon Dieu. L'homme ap mouri. Mes amis, si yo te konnen, yo t'accepte Jésus. À l'éternel, la terre et ce qu'elle renferme. Pendant l'homme a mouru, il y a après l'homme, l'éternel après le quatrième ange là. Dans Apocalypse 8, verset 12, il y a le quatrième ange là. Et puis, il a dit lui-même, sonnez, quatrième trompette là. La Bible dit, le quatrième ange là paraît, il sonne, quatrième trompette là. La Bible dit, le soleil perdit un tiers de sa clarté. Le quatrième ange l'a sonné, trompette par là qui s'arrivait. Le tiers du soleil fut frappé, ainsi que le tiers de la lune, Apocalypse 8, verset 12. Et le tiers des étoiles, le jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. Dieu a réduit intensité à Sio. La lune, c'est lui-même, nous sommes capables de dire,
qui s'est créé, mon Dieu. C'est la lune qui stabilisait la mer. Ça veut dire que 79% de mer, 71% de mer et 29% de terre, ça veut dire que non seulement mon a mouri avec du feu en bas pied, volcan en bas pied à boulot, en l'air, astéroïde à météorite à descendre, et puis c'est arrêté qu'on y a l'homme pour le garder, il a prêté, et bien qu'on y a le soleil là, pour le perdre du morceau dans l'éclat. Le soleil a perdu morceau dans l'éclat, il y a une forêt en quoi forêt Amazonie, et bien forêt ça qui n'a pas qu'à bête la donne, qu'on y a nous capable de comprendre du feu volcan, du feu à pentrer en Amazonie, avec pile côté de la forêt, qu'on y a pile bête qui dans la forêt a couru tout. Il a couru, l'homme a couru, il n'a pas cherché un côté pour le cacher. Pendant l'homme a couru, ou quand imaginons l'homme a couru, c'est dans la fuite où il est, bête, il a fui tout. Nous avons eu les tremblements de terre là, moun te pe, chien te pe. Eh bien, nous sommes capables de comprendre, la grande tribulation s'est arrivée, l'homme a couru, nèg qui habite dans la zone Chili, Brésil, nèg qui en Amérique du Sud, nèg qui habite côté de la grosse forêt, mais à qui ça nous va le contrer. Là, nous courons pour du feu, pour nous cacher nous dans la forêt Amazonie, pour nous agoncer à pancréler le mamba noir. Mamba noir, là, depuis le piqué, il y a des déserts de temps pour vivre. Là, fin contre mamba noir, bon, là, c'est à pancréler vipère hertante. Parce que c'est courir, ou courir, pour nous le cacher. Pour nous, qui quoi, toi, le cacher? Ou le cacher côté mamba noir, y est. Bon, là, c'est à pancréler le vipère hertante. Monsieur mesuré 2 mètres. Et depuis monsieur Piqueau, lui-même il boit 1 mètre et demi. Bon là tu relais le fer de lance. Gagne relais anaconda. Ah anaconda lui-même ouais mais inquiète toi. Li pas Piqueau, ça n'y prend la panique pour li boyer. Ça veut dire la blende bien blendé. Ça veut dire nèg qui prend en bas mais ça capte nous. Gagne une relais le cobra nayanaya. Cobra nayanaya lui-même depuis le fin Piqueau, li boit 1 mètre temps pour vivre. Gagne relais le cobra cracheur africain. Cobra cracheur africain mais ça le gain. Avant le piqué, il crache dans le jeu, il pète le jeu. Ça veut dire, on mourit, je vais pas tempête, pas besoin de tout. Mais ça qui est là, le roi cobra. Tout si on pense à une société là, le fer de lance, l'anaconda, le vipère et tant. Monsieur, dame, ça y est, c'est l'or rentré, petit côté au caché, il attaque. Mais le roi cobra lui-même, c'est pas un roi cobra, son chasseur lié. Il n'a pas besoin de venir cacher côté le caché pour le piqué. Depuis le centre dans la zone, il a tout marché pour l'attaquer, pour le piquer. Eh bien, tant pour volcan boulot, tant pour astéroïde manger, eh bien, plutôt quitter cobra pico. Nous sommes capables de comprendre quelle situation l'homme qui prend le reste sous terre a gagné. Et c'est pendant ce temps, l'éternel a dit 5e ange là, eh bien, on même préparé pour sonner 5e son trompette là. Là, elle dit ça, mais bien aimé dans le Seigneur, c'est parti cause qu'a gagné. Selon Apocalypse 9, verset 1, avant ce qui aime son trompette la sonner, il y a des anges qui volaient en l'air, des anges dans l'air, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre pour les autres sons de la trompette. Mais bien aimé, avant ce qui aime son trompette la sonner, les anges l'ont fini de dire ça, il y a une bataille céleste qui va l'éclater. Comment bataille la fête? Lucifer va chercher tout général Lio. Abigor, Abalam, Anazel, li pral chercher tout et puis l'ap di yo nous t'ai perdu en pile bagay. Nous pral rechercher ça nous t'ai perdu. Lucifer l'ennemi de Dieu et des hommes que la Bible est le dragon, Apocalypse 12 verset 3, Bélial de Corinthiens 6 15, le tentateur Matthieu 4 verset 3. Le Dieu de ce siècle de Corinthiens 4, 4, le prince de la puissance de l'air, Éphésiens 2, 2, le prince de ce monde, Jean 12, verset 31. Lucifer prend tout démon, yo, Abigor, Abaram, tout monsieur Sayo, et puis il prend épée, il a franchi pour aller dans le paradis, pour aller dans le royaume, non. L'archange Michael, avec la main, l'a descend, l'a dit Lucifer ou pape Karl en l'air, parce que Ayoa a fêté avec l'église, li, ou pape Karl monte ni à la cuisine, ni, ou pape Karl doit le faire encore. Et puis pendant ce temps, il y a une bataille qui a marré entre Lucifer et l'archange Michael. Bataille prophétique, ça, il parlait dans Apocalypse chapitre 12. Et puis pendant la bataille là, Michael a battu Lucifer. Et puis il a remis les clés de l'abîme. Il a remis les clés de l'abîme. Lucifer a rentré dans l'abîme. Lucifer prend la guerre
200 millions de démons. Mes amis, ça m'a dit là, ce n'est pas Fab de la Fontaine. Moi, c'est écrivain, chercheuse, mais avant tout, c'est servante de Dieu. Les mapes écrits sujet ça, moi, j'ai checké plusieurs versions bibliques. Et puis, moi, monsieur, j'ai continué nuance. Gang, d'accord, 200 millions ça, c'est 200 millions, l'armée qui a sorti, gang dit c'est 200 millions de démons, et puis m'te campé, m'dit m'te pas fini écrit ça, et puis mal dormi. Et puis m'dormi, mon personnage paraît devant m'. Il dit m'ont un problème là, dans Apocalypse 9 là, m'dit oui, parce que m'pas comprendre ça qui écrit là. Il dit m'sort qui écrit là, c'est Lucifer qui a monté sous terre à 200 millions de démons. Les dit, ce n'est pas la main liée, c'est 200 millions de démons. Ce n'est pas théologie, ce n'est pas séminaire comme ça, c'est révélation directe de Dieu. Lucifer a monté sous terre avec 200 millions de démons. Chef démon, ça, comment le relève? La Bible relève Abaddon. Le nom d'Abaddon signifie ruine, destruction, perdition, anéantissement. L'al monte avec yo. La Bible dit série de démons, ça, yo. Yo saute en prison, Apocalypse 9, verset 3. Démon sa yo gen capacité même Jacques Scorpion, il a piqué l'homme, il a piqué l'homme, il a tourmenté l'homme pendant environ 6 mois. Il a bon la fièvre, la bonne douleur, la bonne nausée, la paralyse, la plonge en coma, laisse ça la mort a qu'un soulagement. Sou mouri avant baka sa yo sorti dans l'abîme, c'est comme un soulagement à pied. Ça c'est sonnet qu'ap prêté sous terre. Ou ap kaboulé dans volcan, dans astéroïde. Non, météorite, ou ap kagoumé à 200 millions de mon Lucifer yo. Je dis à yo prêcher mon l'évangile, yo pa vle vin accepter. L'évangile a prêché, yo tande radio lumière, yo tande la voix de l'évangile. Yo tande yo, mais yo pa jam vle vin accepter Jésus. Moi vle di ou, tout so ap subi la poko anye, parce qu'on pral juger quand même pour aller dans l'enfer. Mais bien aimé dans le Seigneur, la sixième trompette la sonné. Selon Apocalypse 9, verset 13 à 14, bon Dieu a délégué aux anges qui pralaient sous fleuve l'Euphrate. Apocalypse 9, verset 13 à 14. L'a délié quatre grands générales, délié les quatre anges qui sont sur le grand fleuve de l'Euphrate. Les quatre anges, ça y a délié, la Bible dit, a tué le tiers des hommes. La Bible dit le tiers des hommes, non. Mais bien aimé, c'est pas 10 millions de monde, milliards de monde qui mourent, non? Mais bien aimé, scientifiques ont fait comprendre actuellement qu'il y a environ 8 milliards, 7 millions de monde sous planète là. Eh bien, les démons sont là. Ils ont pris le tuer monde. Et septième trompette là, qui ça le dit? Dans Apocalypse 11, verset 15, la Bible dit le septième en sonnant de la trompette. Il eut dans le ciel de fortes voix. Le royaume du monde est remis à son Seigneur et à son Christ, et il règnera au siècle des siècles. Mais bien aimé, après prophétie, cette trompette-là, bon, cette tonnerre, oui. Bon, cette coupe, oui. Comment on peut faire subir toute bagaille, ça y a, ensuite pour aller dans l'enfer? Le septième ange dans son trompette-là, a bien un séisme tectonique, a bien un séisme volcanique. A bien un séisme polaire, a bien un séisme artificiel. Mais bien aimé, comment les bras faire pour yo vivre? Face à tout jugement, ça yo, vous avez le choix d'être enlevé pour aller dans le royaume de Dieu ou de rester et de vivre dans la grande tribulation. Qui sont les choisis? L'évangile a prêché, m'a kon sou chita la kayou et puis va vivre dans le péché. M'a besoin qu'on a fait, mais je dis, vous devez vous tourner vers Dieu, vers Jésus-Christ, qui est la vérité. Ce n'est pas la vérité ontologique. Ce n'est pas la vérité logique ou la vérité morale ou la vérité religieuse. Je vous parle de Jésus-Christ, qui est la vérité personnifiée. Cette vérité qu'aucun philosophe n'avait réussi à atteindre. Cette vérité qu'aucune intelligence n'avait pu saisir. Cette vérité qu'aucune personnalité n'avait pu réaliser par la pureté ou le comportement. Jésus-Christ est la réalité et l'éthique exprimée dans une personne. Jésus-Christ est la vérité. Et je vous parle de la vérité. Je vous dis la vérité. Je vous parle de la parole de Dieu. Ou même qui va avec Christ dans la vie. Ou même qui va vivre dans le péché. Ou même qui va vivre n'importe qui. Je dis à l'évangile, entrez la caillou. Et Jésus-Christ dit ou comme ça. Pour pas vivre n'importe gens.
Jésus-Christ dit pour mettre devoir au propre. Qu'est-ce que vous voulez? Le résultat final face au royaume, approuvé ou reprouvé. Est-ce que bon Dieu approuve vos joies vivre là ou bien est-ce qu'on reprouve? Si vous êtes approuvé, vous irez dans le royaume de Dieu. Si vous êtes reprouvé, vous irez en enfer éternel. Et en attendant, vous allez dans l'enfer, vous avez subi tout ce que vous dites là. Moun qui a commis adultère, dans Malachie 2,15, la Bible dit, prenons donc garde à votre esprit et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse. Infidèle, prenez donc garde à votre esprit. Prenez garde. Prenez garde. Ou est-ce fini, j'en tape vivre là, ce n'est pas bon. Ou même qui va vouloir marcher dans la sanctification, dans 1 Pierre 2, verset 9, la Bible dit, vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. M'a pas l'eau pour mal ou, m'a pas l'eau pour bien ou, ou même quand m'étoa qui est fidèle, ou même qui parle dans bal, qui parle dans carnaval, ou même malgré le confinement, c'est pornographie ou abgade, c'est nous t'es capable de dire, ou fait masturbation, ou même qui est lesbienne. Rentrez en vous-même, nation sans pudeur, avant que le décret s'exécute. Gagnez un décret prononcé sous le monde là. Monsieur, vous connaissez, vous avez prononcé le décret, mais l'homme met fin à agir. C'est même bon Dieu qui a décidé ça qui a fait là. Rentrez en vous-même, ou même qui a pratiqué projection astrale, ou même qui c'est franc-maçon, ou même qui c'est magicien, ou même qui c'est sorcier, ou même qui c'est chrétien. Dans 1 Pierre 5, verset 8, la Bible dit, veillez, votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Membre de l'église de Dieu de Delma 17, membre de l'église de Dieu de Nazon, membre de l'église de Dieu de tout pays, baptiste, pentecôtiste, nazaréen, peu importe le mouvement évangélique là, des bouts christiques ou théocentriques, ou dirigés par le Saint-Esprit, veillez Satan, ou même qui jeune fille remet en jeune garçon, veillez attitude ou, qu'est-ce qu'on a sanctification, ou remet pas place ou placé. La Bible parle aux jeunes gens qui vivent dans des autres, dirait le vomissement chien. Veillez Satan à comportement lio, veillez Satan à pornographie lio, veillez Satan, veillez. Veillez votre adversaire, le diable. Rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il dévorera. Ou même captant des musiques païennes. Ce n'est pas le moment pour captant des musiques païennes. Dans Ephésiens 5, verset 19, la Bible dit, entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant les louanges du Seigneur de tout votre cœur. Chrétien pas non John Lennon, chrétien pas non Beyoncé, chrétien d'ailleurs, Beyoncé font petit tirer les Star Agora. Le prénom de la fille de Lucifer. Ou pas dans Katy Perry, ou pas dans Nicki Minaj, ou pas dans Bob Dylan, ou pas dans Kenny West, ou pas là-dedans, yo, ou pas dans Nicolas Perek, ou pas là-dedans, yo, ça y est pas pour vous. Parce que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Marchand qui vend poisson, senti poisson, chrétien qui chrétien, ligue au de Jésus, ligue style Jésus. Vous devez devenir l'argile de la main du potier. Quittez bon Dieu, bon forme nivelé. Jérémie 18, verset 6. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Ou pas dans la pornographie, ou pas dans la capote, ou pas dans jouer bolette. Ou connaissez des chrétiens qui remet instruction faux prophète. Ça m'a fait trop longtemps, là, m'dan don paquet, m'on a cherché cheveux, nan, bib tombe bouilli pour yon boue. Ou t'es qu'un chrétien, ou apte des paroles, bon Dieu, Bible ka l'il, son pas cherché dans la Bible pour boue, pas qu'un rapport avec la parole de Dieu. Et il y a un pile protestant qui fait, il y a un monde qui dit même pasteur fait. Rejetez l'instruction des faux prophètes. Et la Bible dit prier sans cesse. Chrétien, ces paroles, bon Dieu. Poursuivre. Lisez la Bible, vous devez lire la Bible. La Bible, c'est votre boussole. La Bible est là pour vous éclairer, pour vous illuminer, pour vous étinceler. Ou pas qu'à bouillir la Bible, ou pas qu'à bouillir ça que la donne. C'est pas la Bible là pour bouillir, c'est paroles là pour lire. C'est méditer pour méditer. La méditation de la Bible, c'est un acte de piété. Ou même qui c'est chrétien, je dis ça en passant, pour moun ka bay ponya, même sous un mauvais moment, Jésus pral tout non pa ka bay ponya. Mais pour qui ça me dit ça? Dans Deutéronome 23, 19, la Bible dit, tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt, ni pour son argent,
ni pour vivre, ni pour rien de ce que, qui se prête à l'intérêt. Chrétien, papa, il pour y'a. Chrétien, papa, il pour y'a. Exode 25, verset 25. Psaume 15, verset 5. Deutéronome 23, verset 19. M'a pas compris combien de points y'a dans le cap tandem. Veillez tout petit détail. Et m'a toujours là. M'a dormi mon pasteur qui montait en avion. Avion descend, vient chercher tout chrétien. Yo. Et puis moi, monter avion, m'chita. Et puis moi, un contrôleur qui entrait avec un reçu dans main, un gros, et pas un reçu, non, sorte de pad qui dans main, et puis qui a checké pour tout le monde qui chita dans l'avion. Il checké pour tout pasteur bord gauche, il checké pour pasteur bord droite. Et puis là, il arrive dans l'autre bord, et puis il garde, un pasteur qui chita tout près. Il dit, ou même, descend l'avion. Il dit, oh, l'aime garde en bas, moi, du feu, moi, problème. Il dit, oui. Après, il descend l'avion, en bas, il chale là dans lui. Il dit, oui, il descend l'avion. Il dit, pour qui ça? Pour ça, il dit ça dans le rêve là. Il dit, monsieur, dans la raquette. Je ne peux pas dormir. Il dit, mes amis, pour pas qu'il me grand bas, pour que je monte l'avion Jésus, pour Jésus dit, descendre. Jésus, quand il descend l'avion, sous un adultère, sous une raquette, sous une impudicité, si vie ou pas normal. Montez balance, mon Dieu. Garde sous loup, garde sous léger. Sous loup, qu'on est. Sous léger, on connaît. La Bible dit dans Daniel, qu'on va te les belles chadzar. Et bon Dieu te mesure sous balance, lien. Il te dit le palou, et parce que le palou, il te compte reili. Elle te mette fin là-dedans. Je dis à COVID-19, c'est lui qui a fait parler de lui. C'est pour mon gablier, bon Dieu. C'est pas COVID-19 pour garder. C'est pas terrestre là pour eux. C'est céleste là pour eux. Mettre de voir au propre avec Jésus. Je dis laver mes ou, moi-même, moi, je dis non seulement laver mes ou, mais laver cœur. Purifié nom. Jésus-Christ a tourné, pas quitter mauvais temps. Barre ou. Et toi, marche vers ta fin. Tu te reposeras et tu seras debout pour ton héritage. Mais bien-aimé dans le Seigneur, à ou même captain de l'Éternel dit, m'dit ou, dans Osée 6, verset 1er. Car il a déchiré, mais il nous guérira. Ou même qui malade, bon Dieu, un plan de guérison pour vous. Et ou même dans la maladie à Calais, depuis ces chrétiens, ou pas besoin de peur. Avec Jésus, pas la mort, c'est ferme les yeux ou vers l'autre bord. Reviens à l'Éternel ton Dieu, car tu es tombé par ton iniquité. Apportez avec vous des paroles et revenez à l'Éternel. Dites-lui, pardonne toutes les iniquités et reçois-nous favorablement. Le résultat final face au royaume. Approuvé ou reprouvé? Serez-vous enlevé avec le Christ à son retour? Est-ce qu'on fait partie des sauvés? Ou bien serez-vous parmi ceux qui vont rester dans la grande tribulation? À vous de faire le bon choix. Le royaume ou la grande tribulation? Le royaume ou la grande tribulation? Qu'il en soit ainsi pour vous. Et que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.